moi, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un invité de marque aujourd'hui, mon chéri. C'est lui qui m'a proposé cette idée de vidéo et franchement, j'ai validé à 1000%. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Alors, on va vous faire une vidéo où c'est tout simplement lui qui va décider de tout mon make-up de A à Z. Sachant que je mets pas ton teint, mais il va devoir choisir correcteur, crayon à sourcils, mascara, rouge à lèvres, fard à paupières, absolument tout. Sachant que là, j'ai juste mis de la crème pour le visage, logique. Je connais pas tout ça. Ah, tu connais pas? Ah merde. Je vais quand même devoir essayer de faire quelque chose de potable avec. T'as intérêt de bien choisir, sinon je vais t'en vouloir. Vraiment. Ok, bah hier j'ai bien choisi. Hier déjà on l'a fait hors vidéo. Ouais, c'est vrai. Et j'ai bien choisi. C'est vrai, il avait bien choisi. Bon, après il avait juste choisi le fard à paupières. Là ça va être autre chose, mais. Ça va être tout là. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur notre autre chaîne où on est tous les deux. Enfin, on a deux autres chaînes encore, on a Duo et Duo Off. Et puis moi tout simplement je vous souhaite un bon visionnage. Par où commencer? Bah par où commencer, en vrai j'ai déjà mis ma crème. J'ai regroupé à peu près tous les trucs qu'il va devoir choisir. Donc là on va commencer par le correcteur anti-cerne entre guillemets. Tu vas choisir entre ça et ça. Il y en a un de chez Shiglam et un de chez Too Faced. Je suis pas youtubeuse beauté, mais attends. C'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Tu montes l'écriture là mon cœur. Ouais, c'est bon ça. Bon, est-ce que je pourrais être youtubeur make-up ou pas? Là, c'est chez Shiglam. Bon, on va prendre le plus gros. Hein. Oh yes! Yes! Oh, je t'aime là! Là, j'ai fait au pif parce que du coup, la couleur ça change pas. C'est la couleur de la peau, c'est pour. Mais en soi, lui est quand même plus clair. Ah ouais? Mais. C'est pour que justement la cerne elle se voit moins, non? Les cernes elles se voient moins. Ah, moi, je suis trop éloignée de ça, moi. Bon, c'est type. En vrai, moi j'en mets juste sous les yeux et c'est tout. Mais c'est comme du fond de teint, non? Ouais. Entre guillemets. Moi je m'en sers un peu style fond de teint parce que je mets pas de fond de teint. Tu m'as trempé là. Ah merde, excuse, c'est beau. Oui, j'essaie de faire rapidement. Ouais, je regarde, t'inquiète. Je suis patient. En fait, j'étale toujours un peu, genre là sous le sourcil et un peu sur les joues. Un petit peu au-dessus des sourcils et c'est tout. Sinon, je m'emballe pas non plus sur les joues ou quoi. Parce que c'est bon. Hein. Là, je pense qu'on est bon. Je suis bien blanche. Hein. Ouh, loulou. Tu vas devoir choisir entre trois poudres. Pourquoi les poudres, c'est pour matifier, c'est pour éviter que ça brille trop et tout. Alors, je sais pas ce que c'est dire matifier. Là, le choix entre une Rimmel, une Maeve Wagenham et une. C'est quoi? C'est une chez Shiglam. Et du coup, non, j'ai pas compris à quoi ça servait vraiment. C'est pour matifier, pour éviter que ça brille, que ça se déplace en fait. Le maquillage? Ouais. Mais ça sert à quoi du coup? Un maquillage qui empêche que le maquillage se déplace. Mais parce que en soi, l'anti-cerne, genre ça bouge, tu vois. Donc là, ce que tu viens de mettre là? Ouais. Et du coup, il n'y a pas un truc pour éviter que ça se déplace? Non. Bah si, du fixateur. Et après, le fixateur est. C'est tout, ouais, je vais pas mettre de la glu non plus. Je sais pas, pourquoi tu dis je sais lequel il va choisir, tu penses que je vais choisir lequel toi? Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Non, je sais pas, je dis rien, vas-y, choisis. On va prendre celui-ci là. Ah, nice, ok. Bon, j'avais tort, je pensais qu'il allait choisir celui de Maeve Wagenham, mais en vrai. Je sais pas, Lucie, vu que tu vois qui c'est, tu vas peut-être la choisir. Mais ok, ça va être celle de chez Shiglam, du coup. Je la mets jamais, en vrai, faut vraiment, je la mets plus souvent. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une houppette. Ouais, c'est. Waouh, ça fait vraiment. Oh, archi longtemps que je l'ai pas mis. Hein. Pour vous dire que ça m'a l'air très foncé quand même. Ah, quoique. Non, ça va en vrai. Putain, tout ce que ça met. Okay. Wow. Bon, moi la poudre, j'en mets partout, je m'en fous. C'est pas mal, faudrait que j'en mette plus souvent en vrai. En fait, c'est un peu comme du fond de teint dans la poudre. Ouais, vite fait. Au niveau contouring. Ça, c'est pour faire les contours. Alors, je t'explique. Ouais, c'est pour faire les contours. Les contours d'où? Là. Du visage, ok. Alors, il a le choix entre ma palette BK habituelle, celui-ci, ou alors un stick de chez Shiglam. C'est celui-ci. Et de l'autre côté, il y a un pinceau en fait. Tu préfères quoi? Prendre BK, on prend celle-ci. Hein. C'est pas le rose, mon cœur, c'est le marron. Pourquoi? Parce que c'est ça le contouring, ça c'est du blush. Tu devras choisir après, t'inquiète. Je connais pas moi la différence. En gros, soit ça, soit ça. Lui il est plus marron, non? Ouais. Vas-y, essaye celui-ci. Celui-là? Mais t'es vraiment le pire mec en vrai! J'ai cru jusqu'au bout en plus! Boucre dingue que justement, je suis. Non, faut que ça soit différent que d'habitude. Ouais. Si je te maquille. Oh, putain, ouais, ça fait orange. Je décide de ton maquillage parce que te maquiller, t'imagines le carnage? Est-ce que les abonnés de ma copine, ils veulent bien que je la maquille genre un jour? Que je tente? J'ai jamais fait ça. Me maquiller? Ouais. Si. Je t'ai déjà maquillé. Oui. Genre vraiment. Wow. Quand est-ce? Longtemps. Oh là là. Bon, en vrai, ça se voit quand même moins en vrai qu'à la caméra, mais bon. Ah oui. J'arrive même pas à y estomper le bordel. Non, on va essayer de faire toutes les couleurs un peu. On va essayer de faire un peu style clown. Oh, tu veux que je ressemble à quoi là? T'en penses quoi là? Non, ça va, moi je trouve ça reste discret encore. Ok. Vraiment.
On va... Ah mais putain, j'ai refait ma couleur tout à l'heure, j'ai encore du marron. Oh, oh là là. Mais j'arrive pas en stick moi. Je prends tout rouge à force d'estomper et tout là. Il y a pire et il y a mieux quoi. Ça va je trouve moi. Moi je trouve ça orange. Je crois que je suis orange. Si t'as choisi entre ce blush là. Mais t'as et... pas déjà mis du blush? Non, c'est du... C'est quoi là du blush? C'est pour faire quoi le blush? C'est pour rougir les joues. Alors entre celui de chez Becca, là ou celui-là. Mm-hmm. Voilà. Celui-là c'est un blush liquide et celui-là c'est celui de chez Maeva Gadam. Comme ça. Il y a le choix entre rose, rose et rouge, oh, ouais, rouge rose en gros. Ouais. On va prendre le plus rouge, je crois que c'est sûr. En même temps, pourquoi t'achètes des trucs, c'est pour pas les mettre? Mais je voulais tester, mais en fait, genre, c'est hyper dur à appliquer ça, vraiment. Genre, vraiment, c'est hyper dur. Et on va recommencer. Pour l'instant, ça va, mon amour, hein, je te jure. Ah ouais? Ouais, t'as pas l'air d'être une cassos pour l'instant. Ça va. Quoique. Ça rend pas trop moche. Peut-être en remettre un peu ici. T'en penses? Ça va. Moi je trouve ça va les gars. Les filles pardon. En vrai si, il y a des mecs qui regardent tes vidéos. Moi personnellement, voilà le maquillage, voilà. Tu t'en passeras bien quoi. Highlighter déjà. Celui-là... C'est pour faire quoi ça? Pour briller. Ah ouais? Celui-là et celui-là. Mais c'est la même chose, c'est la même palette depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a contouring, blush et... Ah ouais, ok. Celui-là, donc celui de chez Nabila. Attends. Vas-y, bah celui de Nabila. Celui de Nabila? Ouais, il est rosé. Il est un peu rose comme ça. Ok, et là bon, c'était joli. Il y a même une glace, s'il y en a qui veulent se maquiller avec ça directement. J'ai pas compris sur les trucs de maquillage, pourquoi il y a des glaces genre directement intégrées. Bah au moins tu... rien, pas besoin de prendre un gros truc. Il est vraiment archi pigmenté. Ouais, ça va, ça rend joli. Ça fait pailleter un peu. Ouais, bah, c'est un peu le but d'un highlighter. Ah oui, moi je sais pas moi. Mais lui il est vraiment archi pigmenté. Hein. Pimenté? Pigmenté. C'est un plat le bordel. Donc crayon à sourcils. Lui, donc c'est un de chez Benefit et celui-là c'est... C'est pour faire quoi ça? C'est pour relever les sourcils? Ouais, pour relever les sourcils. Des deux côtés. Là il y a un crayon et une brosse et là il y a un crayon comme ça et une brosse. Je veux dire. C'est quelle marque? Benefit. Les deux? Non, lui je sais même pas. Vas-y bah prends le nez, il m'en va. Putain mais t'es vraiment le pire hein. Sérieusement, faudrait que je vous dise que c'est du Dior et il me ferait prendre. Est-ce que t'as déjà pris, hein. Est-ce qu'il y a du maquillage à Lidl? Oui. T'as déjà fait une vidéo, je teste le maquillage de Lidl? Non, mais Action oui. Ça vous dirait les filles? Lidl moi je pense que ça pourrait être sympa non? Mais je suis même pas sûre qu'il y ait du maquillage. C'est quoi, c'est la marque Sienne normalement? Oh, putain, ouais, ça fait vachement noir celui-là. Mais il est sec. Avant il était bien gras, maintenant il est tout sec. Après j'ai pas les sourcils de fou furieux non plus, hein, mais... Tu m'aimes toujours, moi? Ouais, ça va. Plus intéressant, je pense. Je t'ai tout sorti. Entre toutes ces palettes, machin, ça, bon, t'as rien regardé. Ça c'est pour quoi? C'est pour les yeux, ça. Donc autour des yeux? Ouais. Là il y en a une de chez Huda Beauty, la Gemstone, mais je l'ai depuis 3 ans au moins, comme ça. Il y a une de chez Riviera comme ça, enfin une de chez Riviera, rien à voir, une de chez Anastasia Beverly. Attends mais tu me montreras après, attends. Il y a la Nabila, il y a la Martine Cosmétique, il y a la Shiglam et il y a la... C'est quoi Martine Cosmétique? Mercury Retrograde. Martine Cosmétique c'est celle de Gael García Diaz. Mais pourquoi toi tu crées pas une palette? J'en sais rien. Vastyle. Bah il va voir, MDR. Oh elle est jolie celle-ci, hein. Non? Ouais, c'est une de mes préférées. C'est celle de Shiglam, franchement elle est incroyable. Et je crois qu'elle m'a coûté genre, tu sais que je crois que je l'ai payé 9 euros. Ah ouais? 9 euros. Mmh. Normalement ça coûte... Même l'emballage il vaut 9 euros tu sais. Ouais. Il y a un miroir, il est tellement grand genre limite, non mais vraiment. C'est vrai qu'il genre limite t'achètes un miroir comme ça, tu en peux prendre 9 euros. Je me permets un petit peu de vérifier. L'huissier genre. Mettre celle de Anastasia et tu vas mettre celui-ci là, le rose là, le bien rose pétant là. Je sais pas si ça se voit, tant qu'un. Il en faut deux, il faut deux couleurs. Bah ouais, je veux que du rose pétant hein. Vas-y, le bleu bien. Le bleu là. Avec. Mais ça va être très moche. Si, moi je pense que tu vois, ça va te faire un petit style. Attends, je regarde juste un peu les autres. Non, celle de Nabila, tu vois, les couleurs elles sont pas assez flashy. D'autres fards à paupières, genre. Bah pour l'instant, tu fais ces deux-là, après on verra. Oh, genre, je suis punie, wesh. Ah, c'est moi qui choisis ton maquillage, c'est moi qui choisis. Pourquoi t'as toutes ces palettes de maquillage? Pourquoi t'en as pas une, genre? Parce que tu vois, mec, c'est toutes des couleurs différentes. La preuve, c'est que t'en as choisi deux sur différentes palettes. Oui, mais genre une palette, je te parle. Et ça existe des palettes Eco Plus? Non, je pense pas. Je pense qu'on va commencer par le bleu, là, celui-là. Ce sera plus simple. Tu l'as jamais utilisé celui-ci, j'ai l'impression, non? Si. Mais c'est très rare. Ah, il est joli. Oui. C'est joli. Faut le vouloir, quoi. Franchement, moi j'aime bien. Mais je sais pas comment je vais me démerder avec ton rose pétant.
largement mieux au dos, rien à voir. Ok, bah c'est joli, moi j'aime bien jusqu'à maintenant. Et le rose pétant de la Riviera, du coup la teinte Bahamas juste ici. Tu m'as pris pour un toucan en fait. Ça va, c'est stylé. À quelle heure c'est stylé? Ça fait beaucoup, ça fait too much un peu, mais ça bah va. Bah oui, ça fait too much. J'aime bien moi. Ça se trouve, tu vas faire ton meilleur make-up que t'as jamais fait. Si non, je t'annonce. Tu penses pas? Ah, pas du tout là. Ça prend combien de temps de faire un bon maquillage, tu penses? Bien une heure. Et quelle est la différence de se faire maquiller par des maquilleuses professionnelles ou de se maquiller soi-même? Non, attends, j'arrive pas à réfléchir par là. Quelle est la différence entre genre se maquiller toute seule et pourquoi il y en a qui prennent des maquilleurs pro ou des maquilleuses professionnelles? Bah parce que soit ils savent pas faire, ils ont pas la technique, soit je sais pas, c'est mieux. Bon, ça rend quand même correct hein. J'ai l'impression d'être un perroquet, frère. Montre après la cam, mais franchement moi je trouve ça rend correct hein. Moi je trouve ça va. Tu m'aimes pas pour me faire ça. Mais si, juste que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça rend quoi. En coin interne, là, tu veux quelle couleur? Ah mais il faut une troisième couleur obligatoire. Ouais, ou mais très clair genre. Bah non, faut que ce soit très clair. Pourquoi je prends pas un orange foncé genre? Mais c'est dégueulasse. Tu veux, si tu veux, allez. C'est le argent, on est d'accord? Non, c'est du bleu. Bleu argenté. Bleu argenté. Voilà. Ok. Non mais c'est de la prétence cette vidéo. Ça va bien dans la continuité. Bon bah c'est parti pour la Nebula. T'aimerais pas avoir ta propre palette by style? J'aimerais que je ferais le même genre de teinte que ce que j'utilise tous les jours, donc au final ça sert à rien. T'aurais pas de valeur ajoutée quoi? Non. Si, la valeur ajoutée ça serait toi mon amour. Oh, stylé, non franchement stylé, je te jure. On va à Rio là non? Bah non mais stylé, classe. On va le masquer, ouais. Propre, ouais. Non propre, genre franchement. Et où il y a d'autres palettes si tu veux, hein, en dessous là. Ah mais il y a 4 couleurs à mettre? Bah pas spécialement, des fois. Ah bah vas-y, on va mettre une autre couleur totalement différente. Attends. Et si on remet, oh le vortex. Non, ça oh, ça tirait tellement genre, pas. Genre l'air d'une prisonnière hein. Le vortex, en vrai j'ai envie de voir, j'ai envie de tester. Je vais le tester, après on va en mettre 2 si tu veux en bas. Vas-y go tester le vortex hein. Que le vortex? Ouais. Mais attends, c'est bon, il n'y a pas 5 couleurs, il y a 4 couleurs en bas, il y a 3 couleurs en haut, il y a 4 couleurs à gauche, c'est bon frère. Mais non, mais c'est que là, tu peux faire plus clair ici et plus foncé là. Ah oui, il y a 2 couleurs, vas-y, bah fais comme tu veux. Ouais. Ah, vu l'état, je ferai qu'une seule. Hein. Vas-y, bah fais une seule. Ça va. C'est classe, en vrai, ça reste classe. Bah quoi? Tu sais qu'elle rend pas, pas pareil sur tes yeux la couleur que. Sur la palette. Ouais, c'est vrai. Ça rend plus clair, genre. Là. Stylé, j'ai du goût. J'ai du goût. On est d'accord, ça va, mon cœur. Ouais, mais je suis pas sûre de rester toute la journée comme ça. Arrête. Non, non. Bon, il y a ton daron qui va arriver. Il va me voir comme ça. Il va partir. Je te le dis. En mascara. Galerie marchande et que tu t'arrêtes toujours à Kiko. Donc celui-là qui nique sa mère, déjà. Sky High. C'est un Maybelline. Ça, c'est pas la pub qu'il y a à la télé? Si. Kiko encore. Ah, laisse tomber. Vas-y, bon, on va prendre celui-là en Martine. Martine Cosmétique. Non, tu vois. Orgasmique. Ah ouais, il y a des bananes, il y a des fruits, mais on dirait des shots. Il y a des. Comment ça s'appelle ça? On dirait un cul. Une poire. Non, on dirait un cul. Bon, vas-y, bah, mets celui-ci. Hein. Je mets celui-là? Vas-y. Ok, ça me va, c'est mon deuxième préféré. Vis dans le mille. Ça va, c'est pas mal. T'arrives pas à le coiffer correctement? Arrête, non, mais pas. Est-ce que ça se lisse des cils? Se lisse? Ouais. Non, mais ça se recourbe. Oh, tu peux les recourber. Avec une pince et tout, mais ah, je fais jamais ça. Ça me fait des petits bruits. Ouais, non, mais pire truc. Vraiment, je déteste ça. Il existe des trucs comme ça de couleurs? Ouais. Et c'est bien, t'aimes bien? Non. Mais genre, il y a du mascara bleu, du mascara. Et moi, je trouve c'est stylé, hein, montre-toi. Hein. Je trouve c'est classe. Bah, ouais. Non, mais c'est pas toi, mon cœur, c'est sur ma tête que ça fait peur. Vas-y, montre. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va, non, bon franchement, goût. Ça va. Ouais, on est d'accord, bon goût. C'est pas un truc que je ferais tous les jours, j'ai l'impression que c'est hyper. Non, ça va. Ah, si, quand même. Un plat. Ah. Ouais, ah, oh, on est d'accord. Mais pourquoi? Je comprends pas, juste une question. Pourquoi les rouges à lèvres ils sont pas rouges? Ils sont tous violets. Mais parce que c'est moi, en soi, ils sont rouges, la plupart sont rouges. Enfin, il y a beaucoup de rouges. Bref, il y a du rouge. Mais moi, je prends toujours du rosé. Ouais, ça, c'est une Cissé crème, ça va. Oh non, putain. Mais bam, non mais bam, tu. Non mais c'est pas possible, tu veux que je devienne une roqueuse en fait, genre. T'es vraiment. Il m'a fait prendre un de chez Nab. Nab cosmétique, hein, genre avant Nabila Beauty, hein. C'était la teinte fascinante en 09. Là ça fait trop dark, je suis désolée, mais.
Bébé, je vais t'apprendre un truc. Attends. Je vais t'apprendre quelque chose, mon amour. Quand tu maquilles trop les yeux, tu peux pas maquiller trop la bouche. Je m'en fous, moi, je suis pas un maquilleur. Ça fait camion volé après, tu vois. C'est un camion, t'es un humain. Tu vas voir si je suis pas un camion. Regarde. Tu vas voir. T'es pas prêt, hein. Ça fait peut-être une heure, là. Arrête. Oh, du rouge à lèvres. Ah, oui, j'avoue, c'est bizarre. Ah, là, je suis désolée, bah, mais t'as tout niqué, hein, vraiment. Tu sais que ça va ou quoi? Non, tu sais que ça va. Arrête. Aussi, c'est toi, t'as pas de rouge à lèvres qui flash, mais qui sont. Lui, il est trop épais. Arrête. Non, mais là, c'est trop. Là, vraiment, c'est 10 fois. Après, c'est un style. T'as des meufs, elles se maquillent comme ça, oui, tout mais le genre, elles mettent du rouge à lèvres très foncé comme ça, genre quand elles font juste un trail liner ou juste du mascara, tu vois. Non, ça tu va. Tu vas faire les deux, Nini. Si. Non, mon cœur. Je t'assure. Non, vraiment. Notez ce make-up de qualité dans les commentaires. Pas souvent un make-up comme ça, ça va leur faire plaisir à tes abonnés, hein. Plaît quoi? Mais dis, ils t'ont rarement vu comme ça, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est bien. Là, c'est Daft Punk. En tout cas, non, arrête. Alors, ça fait quoi? Mais c'est pas mal, mon cœur, je sais que t'es quelqu'un d'extravagant, que t'aimes bien voir les choses en grand. Existe du rouge à lèvres orange? Oui. Et eh ben. J'en ai, mais ça m'a pas du tout. Bah, j'en ai pas vu. C'est très orange. Si. Celui-là. Oui, il est orange chamé. Hein. Ah, ouais, ça va. Ouais, j'avoue, ça fait bizarre, bah, ça fait saumon. Lui, ça va pas du tout, genre. Ça fait saumon. Horrible, je le mettrai jamais. Un peu. Moi je trouve que franchement j'ai plutôt quand même bien réussi. À part le rouge à lèvres, je me suis un peu raté. En fait, tu sais quoi, il mon cœur? Il rend plus foncé sur les lèvres. Ouais, tu sais quoi aussi, mon cœur? Déjà, il rend plus foncé. Et l'erreur entre parenthèses, enfin l'erreur, moi je suis un peu dynastique, amnésique, tout ce que tu veux. Quoi? Non, mais t'as compris, genre j'ai un bon aspect de design. Et ben, genre, ça fait ressortir vachement ta couleur de peau trop blanche en fait. Ouais, c'est vrai. T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai. Et justement, c'est dommage, mais en vrai, ça ressort pas pareil. En vrai, ça ressort mieux. Non, mais en vrai, tu sais quoi, la couleur est bien. Ça ouais. Serait un peu moins foncé, serait parfait. Ah ouais? Ouais. En fait, ça a la couleur de tes cheveux limite. Mais moi, je trouve que ça me referme le visage, genre vraiment un truc ouf. Tu restes comme ça toute la journée. C'est mort. Le défi. Tu oublies l'idée, genre vraiment. Je vais la forcer, les gars, vous inquiétez pas. Mais pas du tout, frère. Bah, hey, tu fais une vidéo, tu la fais jusqu'au bout. Non! Bon, on va conclure cette vidéo avant qu'il me fasse faire n'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. Je vais lui cacher son démaquillant. J'en ai d'autres. Si vous voulez éventuellement d'autres vidéos avec mon chéri, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à vous. Je suis un bon artiste. Quoi? Je suis un bon artiste. T'es un bon artiste? Oui, c'est peinture là, ouais, effectivement, ouais. La prochaine fois, ce sera pire. Non, t'auras pas de prochaine fois. J'ai une bonne idée de vidéo. Quoi? Dites-moi si c'est bien les abonnés filles ou les abonnés garçons qui regardent un peu de make-up et tout. Tu vas chez un maquilleur, ça existe ça? Ouais, ouais. Tu vas chez un maquilleur et tu dis fais-moi ce que tu veux. Ah oui, ça. Tester les pires maquilleurs de France et tout machin. Ah oui, mais non, ça non. Tu vas chez un maquilleur n'importe lequel. Tu te dis pas ouais il est bon, il est nul ou quoi. Tu vas chez un maquilleur moyen ou quoi, genre chez un maquilleur et tu dis fais-moi ce que tu veux. Ah ouais, 20 et 30 euros genre. Carrément. Ah ouais, je pense. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé. J'ai des trop bonnes idées en tout cas. Et moi, je suis son manager de loin, tu vois. Enfin, pas son manager. Non, je rigole. Baba, elle fait tout toute seule sur sa chaîne. Pour une fois que je l'ai, je suis content. C'est vrai. On est des bons associés. Dites-nous si on fait une bonne association. Elle va se renommer la chaîne Vastyle Rorito. N'importe quoi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais, merci Maïa. Pourquoi je me démaquille vite avant que ton père il arrive? Non. Juste, enlève juste le rouge à lèvres, s'il te plaît. Le reste en haut, c'est ma marque de fabrique. J'avoue que le rouge à lèvres, je me suis raté un peu, mais. Vas-y si tu veux.